On avait le point de vue municipal et MRC, le point de vue provincial. Là, maintenant, on va voir le point de vue aérien et satellitaire. Donc, mais extrêmement complémentaire, évidemment, à tout ça, qui nous permet d'avoir souvent soit une vision plus globale ou même d'aller chercher des informations implicites qu'on ne retrouve pas explicitement sur nos cartes. Alors, la prochaine présentation porte justement sur les produits d'observation de la Terre au service de la gestion des catastrophes. Et la présentation va être faite par M. Daniel Rochefort du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Alors, M. Rochefort est chargé de projet en géomatique et en télédétection pour le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles depuis plus de 30 ans. Il est responsable de la Banque de données satellitaires du Québec et il coordonne l'acquisition des images satellites pour les ministères et les organismes du gouvernement du Québec, donc quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur le sujet. Daniel, s'il vous plaît. Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de pouvoir vous entretenir d'un petit 10 minutes. Je vais être assez bref. L'imagerie, comme disait bien tantôt Donald, dans le fond, au niveau du ministère, tantôt on a parlé des municipalités, on a parlé sécurité civile. Sécurité civile fait directement affaire avec nous. Je suis en lien avec la MSP lorsqu'il arrive des catastrophes comme ça. Et on prévoit un peu ce qui va se passer, les demandes, qu'est-ce qu'on va avoir de besoin. Donc, au niveau de ma présentation, je vais vous parler un peu de ce que Donald parlait, la Charte internationale sur espace et catastrophes majeures. Je vais vous parler aussi des actions qu'on pose justement en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique. Un peu les bénéfices de l'imagerie qu'on a vu largement ce matin ici. Vous avez vu dans les présentations que l'image sert de contexte cartographique très fréquemment, que ce soit de l'image qui est au niveau de la photographie aérienne ou satellitaire. Puis, on va voir une petite conclusion. Pour la charte, c'est une association entre les agences spatiales et les centres spatiaux. On parle du CNES, on parle de l'Agence spatiale canadienne, on parle aussi au niveau de l'Allemagne. Il y a plusieurs pays qui collaborent. C'est une collaboration qui est faite, c'est comme gratuit. C'est que les agences, quand il arrive un phénomène particulier, les agences peuvent, si ça a une incidence majeure n'importe où dans le monde, ces agences-là vont prendre des images pour être capables d'alimenter, dans le fond, les intervenants de première ligne. Je voyais tantôt, je parlais à M. Dosti que je n'avais jamais rencontré, puis qui voyait à l'écran une image satellite, puis que la personne en arrière ne pouvait pas lui donner l'image satellite à cause des droits qui sont rattachés à cette image-là. C'est de la méconnaissance, parce que lorsqu'une image est acquise dans le cadre d'un... que la charte a été activée, ces images-là sont libres de droits. C'est pour ça que vous avez retrouvé cette image-là de Digital Globe, là, un peu tout partout là, sur les sites Internet. Fait que c'est une image qu'on peut partager tout de suite, ça, parmi les intervenants sur le terrain. Comme je disais, elle compte 15 membres. Il y en a partout à travers le monde. Elle couvre en moyenne 40 catastrophes par année, qu'on pense à Katrina, qu'on pense au verglas en 98. C'est des événements au lac Mégantic, bien entendu. Puis c'est une charte qui a été créée en 2000. Les actions posées par le MRN, comme je vous disais, sont directement en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique. Et ces actions-là sont coordonnées à la Direction générale de l'information géographique, vu qu'on est mandataire de la Banque de données satellitaires du Québec. Et on a aussi l'outillage pour faire de la prise de photographie aérienne par nos services spécialisés. Bien, il y a moyen là, d'acquérir des données assez rapidement sur les territoires ou les secteurs qui sont affectés. Ce qu'on a avec les images, c'est un peu comme les livres, il y a des copyrights sur les images. Lorsque le gouvernement du Québec va acquérir une image, il acquiert des droits pour la diffuser, cette image-là. Les droits qui sont généralement octroyés au gouvernement du Québec sont pour tous les ministères et organismes du gouvernement du Québec. Comme je disais tantôt, là, on en a 21. Ces gens-là peuvent utiliser l'image. Lorsqu'on arrive au niveau, supposons, de la MRC ou au niveau des municipalités, bien là, il a fallu le retourner à l'entreprise qui avait saisi l'image pour dire, bon, bien, voulez-vous
élargir les droits sur les images pour que ces gens-là puissent l'utiliser. Aujourd'hui, ça se fait assez bien. Ça dépend des types de satellites qui sont utilisés. Ça dépend des firmes qui détiennent les droits sur les images. Les bénéfices de l'imagerie, bien, il y en a plein. On en a vu plein ce matin. On fait une programmation des satellites. On est capable d'avoir des images. Dans le cas du lac Mégantic, on avait une acquisition à tous les semaines. Pour vous dire qu'il fallait même aller choisir les images parce que dans une situation comme ça, on avait une possibilité d'avoir des images, à peu près 23 images sur 30 jours. Ça vous donne une idée là, que des images, on en prenait, sauf que lorsqu'on a une bonne image, bien, des fois, on va attendre 2-3 jours pour voir tout ce que ça a sur l'impact sur le terrain, parce que vous allez voir tantôt, je vais vous présenter une petite vidéo un peu en séquence de tout ce qui s'est passé au lac Mégantic en images, parce que je suis un observateur lointain. Vous avez aussi ce qu'on fait bien, dans des situations comme ça, bien, on va extraire de la donnée cartographique. C'est nous qui s'occupe des bases 20 millièmes, qui s'occupe des bases 100 millièmes. Bien, on va extraire ces données-là pour fournir au MSP. On va extraire aussi, on va les regarder, on va faire des inventaires. Bon, bien, qu'est-ce qu'on a en photographie aérienne avant le sinistre? Bon, bien là, on a regardé cette année, il y avait des images, des photos qui avaient été prises en avril 2013. Fait que donc, on avait déjà un portrait avant. Puis on est capable de se faire des portraits après. Puis on a fait aussi, pour ce qui arrive, les images qui nous sont fournies, pour être capable de, justement, là, en faire de l'analyse spatiale puis de bien les positionner dans l'espace, bien, on a généré des modèles numériques d'élévation qu'on a fournis à la firme. Eux autres, ils utilisent ça dans leur système qui nous permettent de corriger les images. Puis c'est pour ça que les images, à chaque fois qu'il arrivait une nouvelle image dans une nouvelle... suite à une nouvelle semaine, bien là, à ce moment-là, on a une image qui est corrigée géométriquement, il apprenait dans le système, puis elle pouvait répondre immédiatement là, aux demandes qui étaient faites. Des bénéfices aussi, c'est certain, ça donne un portrait rapide de la situation. C'est un outil visuel, justement, pour les premiers intervenants de première ligne sur le terrain. Puis là, c'est ça, quand je parlais à M. Dosti, ça m'a chatouillé un peu là, qu'il ne puisse pas prendre cette image-là puis en faire imprimer 10 copies puis l'envoyer à toutes ces personnes. Tu sais, on est capable de mesurer, c'est sûr, les impacts environnementaux, les sommaires. On peut faire des sommaires de dommages. Ça sert de coordination au centre des opérations, les intervenants en sécurité civile. Moi, je suis celui qui observe, j'envoie ça à Donald ou à son équipe, puis là, après ça, il faut que ça descende plus creux. Puis c'est capable de faire de la... Maintenant, avec les satellites qu'on a aujourd'hui, il y en a peut-être une dizaine à haute résolution, là, qu'on prend des images à 40 cm, là. Bien, on est capable de faire de la planification puis du suivi. Là, ce que je vous montre, bien, je vous montre une image qui a été prise dans la veille, la nuit, le 4 juillet, où vous avez un petit point lumineux qui est le lac Mégantic. Puis vous avez le 6 juillet, c'est une image infrarouge qui est prise la nuit, puis vous voyez l'étendue du feu. Je vous ai mis un peu la distance pour vous donner un peu une échelle de grandeur de ce que pouvait représenter ce feu-là à cette échelle-là. C'est sûr que dans l'image de droite, il y a un petit peu un voile nuageux là, qui amplifie un petit peu, mais je peux vous dire que de l'espace, c'est des satellites qui sont à 700-800 km, puis on voit nettement la différence entre les deux images. C'est une association, ça, c'est le satellite SOMI, c'est un météorologue. C'est une association entre la NASA et la NOAA qui produit ces images-là. Pour finir ma présentation, c'est sûr que dans le cas de cette image-là, on faisait juste observer. L'imagerie ne faisait qu'observer le phénomène. Oui. Vous allez voir, après, un coup que la charte est déclenchée, à un moment donné, ça l'arrête, le ministère de la Sécurité publique bien, nous a demandé de vouloir faire un suivi hebdomadaire de la scène. Fait que là, on a pris c'est la firme Figis qui a fait un combiné de toutes les images qui ont été acquises pendant la crise du lac Mégantic. Puis vous allez voir qu'on se rend, c'est une,
séquence qui dure à peu près une minute. Et on voit toute la réhabilitation tranquillement du site. Vous allez voir même des images un an après exactement là, la catastrophe. On voit les déplacements là, des wagons. On peut suivre. On voit même les bassins de décantation qui vont apparaître à un moment donné que moi, je ne savais pas. Là. Fait que ça fait un suivi. Fait que c'est des outils. C'est un outil parmi tant d'autres. L'imagerie qui nous sert justement là, dans des situations d'urgence comme ça. On voit bien le bassin de décantation. Là, qui est... Un an après, là, au mois de juillet cette année, c'est ce qu'avait le lac Mégantic, la vue de l'espace. Merci beaucoup.